Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette petite capsule pour une petite explication sur le tarot, la sagesse des anges, qui est un magnifique tarot de Valentine Radlegg. On y retrouve la structure de base, n'est-ce pas, en 5 suites, et les deux sections principales qui sont appelées arcane mineur et arcane majeur, mais ça vous connaissez déjà. Alors, petite question, savez-vous ce que signifie le mot arcane? Eh bien, cela signifie mystère. On parle ici des moyens miraculeux et mystérieux par lesquels, l'univers apporte de la magie dans nos vies, n'est-ce pas? Et les arcanes majeurs forment à eux seuls une suite composée de 22 cartes, où certains appellent aussi des lames et qui se concentrent plutôt sur les événements majeurs de la vie. Et nous avons les arcanes mineurs qui se composent de 4 suites, comme dans le tarot ordinaire, n'est-ce pas? Et les arcanes mineurs ont tendance, à refléter les activités au quotidien de la vie. Traditionnellement, les suites des arcanes mineurs sont appelées bâton, coupe, épée et denier. Ici, Valentine a remplacé les anciens noms par les 4 éléments, c'est-à-dire le feu pour les bâtons, l'eau pour les coupes, l'air pour les épées et la terre pour les deniers. Et chaque suite est composée de 10 cartes numérotées de l'as au 10 et de 4 cartes habillées qui sont évidemment les valets, cavaliers, dames et rois. Et chacune fait référence à une personne, une situation ou bien vous-même, n'est-ce pas? Chaque suite a des domaines particuliers. La suite de feu parle de créativité, de passion et de carrière. Par contre, la suite d'eau est liée, elle, aux émotions et à l'intuition. La suite d'air, elle est pour sa part associée à l'intellect et elle peut également refléter nos inquiétudes et nos peurs. Le mental ayant souvent un esprit tendance à se concentrer sur le négatif, n'est-ce pas? Certains d'entre vous vont se reconnaître. Et enfin, on a la suite de terre qui parle des aspects matériels de l'existence, comme l'état des finances ou les moyens de gagner sa vie et de subvenir aux besoins de la famille. La particularité de ce tarot est que chaque carte est associée à un archange qui apparaît ou non, n'est-ce pas, sur l'image. Et sur les arcanes mineurs apparaît un numéro qui représente l'arcane majeur du tarot. Voilà cette petite explication. Prenez soin de vous dans la douceur. À tout bientôt. Beau matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message angélique, message des anges de ce jeudi 4 avril 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé une belle journée hier. Petite philosophie de ce matin, dès le lever, inviter la lumière à entrer chez soi, ouvrir les volets, tirer les rideaux. Respirer l'air frais, même s'il est froid. Se nourrir de cette première luminosité, symbole d'un nouveau jour.
et en ressentir, eh bien, le bien-être. Aujourd'hui, j'ai pigé l'as de feu. Alors, l'as de feu, c'est l'archange Métatron qui est représenté avec cette lame. C'est la suite des bâtons dans le tarot traditionnel. Et la suite de feu représente les aspects de la vie qui nous passionnent et nous enthousiasment. Elle se concentre sur la créativité. L'as de feu, bien pour certains d'entre vous, c'est une opportunité incroyable qui s'annonce. On vous invite à être audacieux, courageux et optimiste. C'est le moment de passer à l'action. Faites ce qui vous passionne. C'est le bon moment. Ça va être le bon moment. Préparez-vous à une incroyable opportunité. Et généralement, eh bien, lorsque on tire cette arcane, eh bien, elle concerne les perspectives de carrière ou les activités artistiques. Mais il peut s'agir aussi de n'importe quoi, pour peu que ce soit en lien avec vos passions. C'est le moment d'être, eh bien, audacieux, courageux et optimiste pour l'avenir. Pour certains d'entre vous, si vous avez un projet en tête ou si vous avez lancé une nouvelle idée passionnante, eh bien, c'est le moment de passer à l'action. Vous avez tous les outils en main. C'est le moment de changer votre vie. Alors qu'attendez-vous ? Allez-y. Ayez confiance en vous. Réalisez vos rêves. C'est vraiment le bon moment. Et demandez à l'archange Métatron, par exemple, si vous avez besoin de mieux gérer votre temps, eh bien, ce bel archange Métatron vous sera utile. Capable de contrôler le temps, il aide à respecter les délais ou à arriver à l'heure à un rendez-vous, bien qu'on soit parti en retard. Il est aussi connu pour protéger les enfants et les personnes très sensibles. La signification, eh bien, de son nom est obscure. Et sa couleur, eh bien, la couleur de l'archange Métatron, c'est un mélange de violet, mauve si vous désirez, et de vert. Alors, pour ceux qui sont dans l'état que je viens de vous dire, il est important que vous preniez des décisions aujourd'hui et dans les jours à venir, parce que c'est le moment propice. Pour les autres, eh bien, on vous invite à créer une nouvelle entreprise, créer quelque chose de nouveau. Peut-être qu'il serait temps de changer de carrière. Si vous aviez ça en tête, c'est le moment. Pour d'autres, vous allez peut-être apprendre la naissance de quelque chose. Ça peut être une annonce de naissance. Ça peut être aussi un nouvel emploi. Ça peut être aussi une offre d'emploi. Vous allez peut-être aussi avoir une promotion. Enfin, tout ça, c'est quelque chose, c'est vraiment un bon moment
dans tous les aspects de la vie. Donc ça peut être professionnel, familial, sentimental, amical. Donc voilà, préparez-vous à vraiment à des opportunités qui vont arriver à vous. Vraiment, on est dans une belle, belle période là. Alors cette carte, eh bien, elle se rapporte dans le tarot de Marseille aux rêveurs et à l'excitation de commencer quelque chose de neuf. Et encore une fois, eh bien, cet archange Métatron peut vous aider, peut vous guider dans ce processus si vous vous sentez incertain ou craintif par peut-être manque de confiance en vous. Donc, il ne faut vraiment pas avoir un manque de confiance et demander. Demander à l'archange, à ce bel archange Métatron qui a été, comme son frère jumeau, un être humain. Eh bien, voilà le message d'aujourd'hui, l'as de feu, n'est-ce pas? Et je termine avec une carte, l'affirmation positive. Et aujourd'hui, je relâche toute l'énergie négative qui m'empêche d'avancer. Eh bien oui, parce qu'avec l'as de feu, c'est le moment d'avancer. Donc, si vous avez cette énergie négative, eh bien, ça va vous empêcher d'avancer. Je vous souhaite une excellente journée, puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à demain.